Salut les ghouls et les monsters. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter mes cadeaux de Noël Monster High bien évidemment. Donc je vais vous montrer que mes cadeaux de Noël Monster High pour cette vidéo, pas le reste. Sinon ça change le thème. Au total il y a 3 paquets, mais dans les 3 il y a un cadeau qui n'est pas vraiment pour moi. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi lorsque je l'ouvrirai. On commence donc par la plus grosse boîte, parce que celle-là je l'ai commandée sur chez Mattel même. C'est un gros carton de chez Mattel. J'ai envie de tester et on verra si c'est bien ou pas. Elle est donc à l'intérieur. Il s'agit de Frankie et Jackson Picnic. Ce duo pack, je vais l'ouvrir. Je vais pas le laisser en boîte, car j'ai vraiment envie d'avoir ces poupées pour mes vidéos. Apparemment, les cheveux, ils ont l'air un peu dégueu à cause de la laque, mais je verrai bien un petit peu comment je vais arranger ça. Pour Frankie, ça a l'air d'aller, on verra bien. Enfin bref, je suis super ravi de ce petit. Je vous ferai une review, bien évidemment, de ce pack. On passe maintenant au plus petit, parce que j'ai envie de passer au plus petit. Il s'agit de Laguna Basic 2. Tous les accessoires sont là. Il manque rien du tout. Enfin, je pense. J'ai rêvé ici. Mais normalement, tout est là. Et je vous ferai un débrief en fin de vidéo. On passe au dernier. La poupée, elle est là-dedans. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise. Et vous allez vite comprendre. Voilà, j'ai repris un Deuce Basic. La question, c'est pourquoi. Mon premier Deuce Basic, qui est là-bas au fond, m'a coûté 25 euros. Celui-là, 7 euros. Je vais le remettre un petit peu à neuf et le vendre beaucoup plus cher pour me faire plus d'argent et pouvoir m'acheter plus de cadeaux. La vendeuse m'a prévenu que ses lunettes allaient arriver par après parce qu'elle avait oublié de les mettre, mais elle ne m'a pas prévenu d'un truc, je vais vous montrer. C'est que son pied est foutu. Il sait encore se remettre et s'articuler, mais j'étais pas au courant de ça. J'ai aussi eu ça, qui est une figurine Pop Monster High, que j'ai eu de ma grande sœur. Elle est pas moche, j'aime bien. J'adore la figurine pop, mais je suis pas trop fan des figurines pop Monster High. Elle est toute mimi. J'aime bien. Elle rejoint donc ma collection de figurines pop. Qui est pas très très grande, mais pas grave.
Bon, en fait, je les collectionne pas vraiment. En juste celles qui me plaisent et des trucs que j'aime bien. Et c'est tout, parce que j'ai pas l'argent. Allez, sur ce, Bref, voilà tous mes cadeaux de Noël. Je suis un petit peu déçu du Deuce parce qu'en fait il a le pied pété. Je sais pas si j'arriverai à le vendre au prix que je voulais le revendre. Il a une sale gueule aussi parce que bah, je le trouve moche. Et j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans la boucle d'oreille ici. Il n'en a pas, et le mien il en a eu. Pour la Laguna Basic 2, elle est complète. Je suis super content de l'avoir. Et mon gros coup de cœur, c'est ce pack-là. Que je vous ferai une review bientôt. Comme je vous avais dit pour la review de Frankie 13wish, je vous ferai une review bientôt. J'ai toujours pas monté, mais je l'ai filmé. Bref, du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez envie. Abonnez-vous si vous aimez les Monster High, parce que je continue de faire des vidéos récemment encore, pour ceux qui aiment. Et surtout, passez une bonne journée. Et surtout, j'allais oublier le petit mot final. Joyeux Noël à tous. Voilà. Bye bye.